Bonjour! Alors, est-ce que vous reconnaissez l'endroit où je suis là tout de suite? Si vous ne reconnaissez pas, c'est le pré de Anne-et-Victoire. Donc, que vous connaissez tous, voilà, la chaîne Anne-Victoire, Chantilly, Grimouille-Pépita, voilà. Est-ce que vous reconnaissez ces petits bonhommes-là? C'est Belle et Pompon, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, dans mon vlog d'Equestria. Et que vous connaissez également de la chaîne YouTube Adrien Bonaldo Spectacle, connu également sous le nom Deux ânes, un chien, un gars. Ces petits ânes qui nous viennent directement du sud, qui sont arrivés hier, ici à Chantilly, dans le troupeau de Anne-et-Vic, et qui ont passé une petite soirée ici pour se reposer, parce qu'ils ont quand même fait un très très grand voyage, parce que aujourd'hui, on va à Aumarais. Pareil, au Marais, c'est une fête que vous connaissez, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, et si vous n'avez pas vu mon vlog d'il y a 2 ans, vous connaissez de la page Anne-Victoire, pareil. C'est juste la plus grande fête de l'âne de France, et cette année, on aura la chance d'avoir ces deux merveilles qui se produisent en spectacle pour cette fête de l'âne. Et j'en fais partie. Voilà, je vais accompagner Adrien et ses ânes au violon. On va faire un numéro tous les deux ensemble, ça va être beaucoup trop chouette. Du coup aujourd'hui on est samedi, la fête c'est demain, donc aujourd'hui on va faire le voyage, les ânes vont pouvoir se poser, on va pouvoir faire un petit tour sur les lieux, et demain ça va être beaucoup trop chouette. Thank you.
retrouve le lendemain de la fête avec mon bébé et mon fanfan. Voilà, donc comme vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps que je les ai pas vus. C'est parce que je suis partie pour le CCEA et là je viens de rentrer. Au revoir Egon. Ça fait vraiment beaucoup de bien de les revoir. Même s'il y avait plein d'ânes là ce week-end, j'étais bien entourée. Au final, j'ai pas tant que ça de choses à vous dire post-fête de l'âne. Je pense que de toute façon les images parlaient d'elles-mêmes, c'était vraiment extraordinaire. On a passé une super journée, un super week-end avec Anne et Victoire, avec Adrien, avec toute la Dream Team. Notre spectacle avec Adrien était fantastique, c'était beaucoup trop génial. À chaque fois on ressortait, on avait le sourire jusque-là parce que c'était extraordinaire de pouvoir présenter ça ensemble. Alors que quand on y pense, bah, on habite super loin, on n'a tellement pas l'occasion de se voir souvent et là qu'on puisse présenter ça... C'était quand même vraiment génial, c'était un très grand moment pour nous. Je crois que je vais pas vous dire grand chose de plus, je vous laisse surtout avec les images que vous venez de voir. Je peux vous dire quand même qu'il y a une chose de sûre, c'est que ce spectacle on le refera, on trouvera d'autres occasions de le présenter tous les deux. On va trouver les occasions de le représenter, de le faire tourner. Et bien sûr je vous dirai tout ça si vous voulez venir me voir, si vous voulez venir voir Adrien et ses deux ânes qui sont absolument incroyables et fantastiques, qui font des choses de fou et qui nous font rêver à chaque fois. Coucou mon fanfan! Bah oui, je viens de te brosser mon chaton. C'est le moment idéal pour se rouler. Donc un grand grand merci à Adrien et bien sûr mille merci à Anne et Victoire qui nous ont accueillis, qui nous ont permis de nous retrouver tous à Chantilly avant de partir pour la fête. Faut qu'on remette ça, des journées comme ça j'en veux 10 par semaine. Un grand merci enfin à toute l'organisation de la fête de l'âne de Haut-Marais qui était extrêmement chouette, qui était géniale. Là cette année on avait une carrière rien que pour nous, pour les spectacles, c'était vraiment chouette. Merci de nous permettre de vivre des moments comme ça, merci de permettre à tant de passionnés de se réunir comme ça une fois tous les deux ans pour partager leur passion de l'âne et pour voir tout plein de belles choses. Du coup je vous dis à deux ans pour la fête de l'âne de Haut-Marais, peut-être avec les loups. J'aimerais beaucoup, on verra si c'est possible, sinon j'y serai forcément en visiteur comme cette année, comme il y a deux ans, parce que c'est vraiment une très très belle fête. Et à vous tous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous !